Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, un peu de boulot aujourd'hui. Déjà, on va commencer par faire quelque chose de très simple. C'est qu'on va améliorer nos convoyeurs à ces endroits-là, c'est-à-dire aux sorties... aux sorties des foreuses. Hein, comme ça, on produira comme il faut. On augmentera notre production comme le déplacement sera plus rapide. Donc une, deux foreuses. Trois foreuses. J'en ai pas une autre qui tourne dans le coin. Une, deux, trois, quatre. Ah oui, j'ai pas fait celle là-bas. Ah si. Celle-là que j'ai pas faite? Si, j'ai fait les deux là. Je m'en suis pas rendu compte, j'ai fait les deux. Ah oui, je me suis pas rendu compte, j'ai fait les deux. Moi je l'avais déjà faite celle-là. Bon, ok, très bien. Alors on va faire pareil pour le béton. Parce que le béton, je produis rien. Bon, j'en ai repris un peu, mais pas grand-chose quoi. Béton, c'est compliqué. Tu me diras. C'est un gisement normal, donc... on vérifie. Voilà, et au niveau de la prod, 15 par minute, ça fera 45 avec les 3. C'est bon. On va faire pareil pour le cuivre. Oula. Et ensuite... impeccable. Là je sais qu'on produit donc voilà, là ça balance dans le système hein. Ça balance pas parce que ça arrive pas à suivre au niveau des... tout est plein, tout il est plein on dirait. C'est marrant ça. C'est derrière que ça suit pas peut-être. Hein. Ouais, c'est possible. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai trouvé un endroit avec du fer. Mais c'est loin. C'est vraiment loin. C'est pas la porte à côté. Mais c'est pas très grave. Je vais vous y emmener, vous allez voir. J'ai même fait le chemin. Bon, ça va. En vrai, le chemin était déjà fait en majorité. Donc, j'ai pas trop à en rajouter au niveau du... J'ai pas dû rajouter trop de ça, là. Comment ça s'appelle, de plateforme? Je vais sur le chemin, tiens, je vais aller chercher... Oui, on se trompe pas. Je vais aller chercher quelques rotors. Juste au cas où... Si j'ai de la place ou pas, ouais. Et... Comme j'ai l'air d'avoir un peu de place... Je vais peut-être emporter aussi 2-3 plaques de cuivre, de tôle de cuivre, mais ça on verra. Si jamais je veux enchaîner sur... le charbon, l'augmentation de la production d'électricité. Alors, oui, non, c'est là. Hop là. Dis donc, c'est que ça fait la queue, là. C'est plein? Ah non, c'est que c'est la vis qui... Ok. Alors, tac. On prend 300, allez. Tout trier. Ok, 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 ok. Et ah, on est plein en tôle de cuivre, allez. 300, ok, bon, on n'a pas... on n'a pas beaucoup en marge. Là, j'ai dû relancer pas mal la production de pas mal de choses au niveau d'électricité. Ça va, on est qu'à 300 mégas.
Donc on prend notre petite route, notre petit chemin là. Vivement d'ailleurs que j'ai les... comment ça s'appelle? Les tuyaux là de transport. Les tuyaux de transport en vrai c'est... C'est trop bien ça. Après je sais pas du tout dans quelle face ça arrive. Il me faut je crois de la tôle de cuivre, donc ça tombe bien parce que j'en produis un peu. Après je sais pas ce qu'il me faut d'autre. Hop, donc on continue le chemin. C'est plus loin, c'est clairement plus loin. Hop, excusez-moi un instant. Voilà. Tadidim, tididim. Et oui, il faut courir pour avoir du fer. Surtout c'est vrai que là cette grosse montée là même sur les tuyaux de transport en plus ça sera un peu lente, mais par contre en descente mama que ça va mettre bien, ça va aller à une vitesse. C'est le genre de truc qu'on adore. Et dans tous les cas je pense, je réfléchis toujours à l'hypothèse d'une centralisation, une sorte de dépôt de ressources quelque part, je sais pas encore trop où, mais c'est en réflexion. D'ailleurs en vrai ici ce serait pas trop mal, c'est vrai que si on regarde sur la carte on est à un endroit qui a l'air à peu près centré, donc pourquoi pas hein. Voilà, donc là on est de retour au charbon et c'est un pouilla plus loin, c'est juste en bas en vrai. C'est vraiment, quand je dis en bas c'est, là on va entamer la descente et c'est au pied de la descente. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi quoi. Ouais, je me suis débarrassé de 2-3 monstres. Hop. Non, j'ai pas besoin de le prendre à la main ça. Oups. Et oui, ça fait mal aux jambes. Donc c'est juste là, j'avais même commencé la plateforme. Oh là là, franchement. Qu'est-ce que j'étais prévoyant ou pas. Et... Voilà. Alors dans quel sens je vais le faire, par là-bas, je pense, j'ai de la place là-bas, par là. Oh, des noix de béryl. Oh, un ennemi, où ça? Hein? Hein, quoi? Où? Mais vous venez d'où les gars? Ah purée, ah il vient... Ah il vient du haut, faut que je me débarrasse de ça. Faut que je me débarrasse de ça. Il y a un passage, oui. Voilà, c'est bon. Non, il vient pas de haut. Ah. Voilà. J'irai peut-être chercher plus tard les ressources. Tiens, c'est-à-dire si je plonge là. Ah, c'est pas assez profond. J'aurais tenté. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est pas bien grave. Hop, ah, vous savez quoi, j'ai oublié de tirer les câbles. Oh merde. Je vais tirer le câble là jusqu'en haut. Oui alors il y a possiblement un ou deux arbres, oui, oh, écoutez la nature hein, c'est pour soutenir un peu le... Ah oui non, mais je me disais la vache, la ligne elle est vachement longue. Tu m'étonnes, j'ai mis des poteaux tout seul. Eh oui. Mais c'est... Ah purée quand même, ça fait long comme ligne. En effet. Un pouillet trop long.
Hop, et on verra à terme, bien sûr, si on garde ces routes un peu dégueulasses ou si on contourne. Ce sera plus tard, quand on aura vraiment de quoi faire. D'abord... de l'électricité. Tac. Hop. Bon, ça a pas aimé. Voilà, on a vu. Comme ça, mon électricité, il arrive tout en bas. Elle arrive tout en bas, plutôt. Ouais, je peux pas voir en même temps, dommage. On va lâcher ça. On va lâcher. Mettre dans le sac, plutôt. Zoup là. Je sais pas du tout ce qu'il faut par contre pour la production des cadres modulaires. Là c'est un peu la surprise. Donc constructeur. Non. Assembleuse. Ah, plaque de fer renforcée. Ah ouais. C'est pas cool ça. Ça va être un peu chiant. C'est pas grave. Alors. On va prendre ça plutôt. Ça marche même pour les arbres. Voyons. Donc on a dit plaque de fer renforcée. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il me faut une assembleuse. Il me faut des plaques de fer, il me faut des vis. Donc s'il me faut des vis, il me faut des tiges de fer. C'est chiant. Bon déjà il me faut mes quatre au fourneau. On va récupérer ça vite fait là. Je peux. Non, j'ai pas la place. C'est con. Un, deux, trois. Non, vous savez quoi, je vais la tourner de sens. Ma foreuse, là, je vais la mettre dans l'autre sens. Oh merde. J'ai vu. Vous avez vu ce que j'ai vu? Est-ce que je peux la récupérer? Je récupère un truc qui fait que... Oh... Ah bah oui. Ça là. Voilà. Ah non, pas au fourneau, au fourreuse. Voilà, dans ce sens là. S'il vous plaît, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Et là, je vais faire partir les hauts fourneaux comme ça, je pense. Donc mes hauts fourneaux. Tiens, bon, on risque pas de tomber de haut, mais... Ah oui! Et ça aussi, il faudra que je fasse que je récupère le mycélium. Là, d'ailleurs, je peux parce que... Attends, je peux. Oui. The fruit of this fungus-like flora does not seem to show much potential for use. However, its mycelial network is worth further investigation. Research it in the MAM to establish classification and potential application. On va mettre un répartiteur. Je me disais bien que j'avais loupé un truc. Voilà. Hop, et ici, il me faut MK2. Alors oui, on va faire comme ça. Vraiment l'impression qu'il est dégueulasse le MK2, hein. Je sais pas si c'est au niveau de texture ou un truc comme ça. Hein. Je suis pas fan. Voilà.
attendez, j'ai bien pris du M1 pour ça. Oui. On sait jamais. On paramètre. Donc lingot de fer. Ok, donc là j'ai 120 qui sortent. Calcul. Ça, à mon avis, c'est pas un problème. C'est de la plaque de fer renforcée qu'il va me falloir. Plaque de fer renforcée, quand j'en avais fait quoi? J'en avais fait combien des... J'avais deux assembleuses, hein, il me semble, j'en ai pas plus. 3. Non. Non, les rotors, c'était 3. Je devais en avoir deux, je devais pas en avoir beaucoup plus que deux. Parce que mine de rien, ça me demande pas mal de plaques de fer. Oh, ça va être chiant. Bon, on va commencer par faire le nécessaire pour un, on verra ce qu'il nous reste. Donc. Ça, c'est que là j'ai 3 plaques de fer par minute. Là j'en produis 5. Oh. De toute façon, je suis obligé d'en faire 5. Donc 5, 6 plaques de fer. Donc 30. Donc on va sortir. Donc ça, c'est un constructeur. Ça, c'est simple. C'est un constructeur. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait l'anime. Tac. 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 Alors, c'est bien, c'est aussi ici. Je relis parce que. Sinon, ça sert un peu moins. Tac. On verra plus tard pour relier. Oui, ça aussi. Bon, on verra un peu plus. On va voir, tiens, si je peux le mettre. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, il me faut. Non. J'avais dit, il me fallait ça, il me fallait des vis. 60, je crois, non? 60 vis. 60 vis, c'est... C'est chiant. C'est 15 barres de fer par minute. Et 15 barres de fer, c'est un seul constructeur. Ok. Tous les quoi... là. Non, on va mettre des barres de fer, on se plie en deux. Donc j'ai mes 15 barres de fer. Ah mince. Alors attendez. On va simplifier tout ça. On va simplifier tout ça. C'est ça que là je vais profiter. Faut que je profite de mes technologies. C'est-à-dire que tout ça là, hop. Alors je pourrais faire en masse, mais pour le peu qu'il y a, flemme. Voilà. Donc j'ai ici ma foreuse. Ah ouais, mais il avait envie de piquer une petite tête, c'est pas bien grave. Oh, ça passe.
Donc. Non, c'est Si, c'est là, hein. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est impeccable. C'est que... je vais mettre... 1, 2, 3, 4. On va sécuriser un peu, là. Non, c'est con, ça passe en dessous. Ça, c'était pas prévu. On va voir, on va se débrouiller. Et là, ça passe. Oh oui, mais attends. Voilà. Là, on va éviter. Hop, un petit instant, excusez-moi. Au fourneau. Ah. Oh, j'ai cru que j'allais me casser la binette, mais non. Ah ouais, ah, je pensais qu'il... Oh, ok. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. 2. 3. 4. Ok. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai juste à faire passer en dessous. C'est où? Logistique? Oui. Logistique. Je vais mettre en 5, parce que l'autre, le 5, je l'utilise presque jamais, voire jamais. Les passages pour convoyeurs verticaux, là. 1, 2, 3, 4. Ensuite ça. On va voir si... Est-ce que c'est good ou est-ce que c'est même chiant? Non, c'est répartiteur qu'il me faut. Non, ça a pas marché comme ça. C'est marrant ça. Pourquoi ça fonctionne pas d'ailleurs comme ça? Ah oui! Ah oui, non, d'accord. Oui, si. On va le mettre dans l'autre sens. En fait, lui, il faut qu'il soit. Comme ça. Que lui, il soit. Comme ça. Comme ça. Là. Que lui là. Il soit comme ça. Et que lui là. C'est dans le bon sens. Oui. Il soit comme ça. Je reprends ça. Ça, je lui dis. Coucou, est-ce que tu peux venir m'alimenter là? Oui, impeccable. Tiens. Il y a un poteau, je sais pas ce qu'il fout là, j'ai dû l'oublier. Lui aussi, on va dire, décidément. Ouais, ça, je le replacerai un peu là. C'est bon, il est pas très très beau lui. Tac. On anime. Et. Tac, on anime. Voilà. Donc là, tout est. Voilà. Tout est. Alimenté, il manque plus qu'à. Merci. Configurer, copier, coller. Coller, ah merde. Je l'ai pas fait celle-là. Ouais, c'est ça. Hop là. Coller. Ah, mais si. Ce qui est bien, ouais, ce qui est bien aussi, c'est que comme ça je peux alimenter. Je peux faire des. L'alimentation électrique est un peu plus simple aussi à mettre en place. Déjà, comment dire, disons que j'ai pas de convoyeurs qui viennent m'embêter, voilà, c'est ça. Hop,
Hop, hop, hop. Petit souci là. C'est pas prévu. C'est vraiment pas prévu du tout. Ensuite, j'ai dit quoi? Ah oui. Constructeur, constructeur. Non, c'est pas là les constructeurs. C'est là. Et je peux même le rapprocher en vrai. Ça, l'avantage avec ce genre de truc, c'est que tu peux rapprocher. Hein. Ah oui, non. Dans le sens où, en vrai, ouais. Ce qui serait bien de faire, c'est ça. Là, tu fais sortir dans un constructeur, tu fais rentrer par un autre constructeur. Oh, on va faire ça. Hop. Ce qui fait que là, ouais, là, tu te dis comme ça, mais c'est pas malin. Mais t'inquiète, c'est vrai que sur le moment, c'est pas malin. Mais tout a du sens. Déjà. Déjà en fait on voit pas, donc si on va pas chercher en dessous, j'ai envie de dire, si on regarde pas là, en fait on voit pas tous les minéraux passer et ça va faire moins laguer. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. Donc on a la plaque de fer, on avait dit double vis, oui, double vis, double vis, double vis. Et là dans ce cas là par exemple, alors on va prendre l'autre sens là. C'est que là, ça part dans le sol, on est dans le bon sens, je sais pas du tout si on est dans le bon sens là. Ah, si si ça a l'air. Hop. C'est que là je peux diviser en deux. En fait là je vais split. Alors, j'ai peut-être dû faire mon entrée aussi avant. Non, c'est ça. Hop. C'est que là, je peux split. Alors, peut-être pas trop près non plus, faut pas déconner. Et que je sais que là... En vrai ? Ouais, je sais pas. Je sais que là... J'ai mes deux entrées. Donc, ce que je peux essayer de faire ici, c'est tout simplement de dire, bah là... non, ça c'est un groupeur. J'ai mon répartiteur, c'est que là, hop, tac. Split. Ok, voilà. Ah, ça le fait pas. Je suis trop proche. Un peu chiant ça. C'est pas grave. On va pas mettre notre répartiteur là. C'est peut-être de là que je vais être trop proche. Terrible. Parce que là en vrai. Oh le ouf. Totalement trop proche. Hop, je vais juste faire un test là. Là, on est bon. Ok. Là. Je vais le replacer. Ah oui, mais alors. Voilà. Voilà, là, on est bon. Là, on est bon. Et là, on est bon. Voilà. Alors, c'est un petit micmac, hein, mine de rien. Mais c'est fonctionnel, je crois. Du moins, le but c'est que ça soit fonctionnel. Donc, barre de fer, barre de fer. Dans le bon sens. Oula. Oui. Oui. Barre de fer, barre de fer. On alimente. Ich, merci. Ouais, là je suis en plein milieu, c'est pas terrible, bon c'est pas grave. Hop, ouais, c'est bon, s'alimenter ici. Bon, s'alimenter, oui, j'ai tiré le câble. Oui, c'est bon, j'ai tiré le câble. Donc, ça, c'est alimenté. Donc, j'ai mes barres de fer. Il me faut des vis. Ah, oui, mais je crois que tout ça part en vis. 15, donc ça va m'en faire sortir. Ah, mais il m'en fallait combien? 15? Ouais, il me faut l'équivalent de 15. Bon, on va avoir des vis en rab, c'est pas grave. On va voir ce qu'on va en faire si on a besoin.
Ça, ça m'en fait combien ça? 10, 15, 30, ok. Donc ça, j'ai besoin de 3 constructeurs, donc. 1, 2, 3 constructeurs. Là. Ah, je suis pas sûr, là, ce soir. Si proche, je suis vraiment pas sûr. J'aimerais bien, mais... Le doute m'habite. C'est dans quel sens? Ça a l'air d'être dans le même. Donc là, les deux, ça va en dessous. Ah. Et il faut que je place le 3. 1. 2. 3. Non, là, c'est trop proche. C'est trop proche. Ah, ça fait vraiment proche, là, par contre. Bah, ils sont proches, mais du... ils sont proches de lui. Lui, on verra plus tard. En fait, il faut que je groupe ces deux-là. Et que je les envoie dans ces trois-là. Heureusement, j'ai de la place de ce côté-là. Donc, par exemple, si je veux grouper ces deux-là, je fais... Tac. Tac. Ici, on aura un autre. Donc, je vais faire attention à ne pas prendre sa place. Ok, je vois à peu près ce que je peux faire. Donc, groupeur de convoyeurs. On passe de l'autre côté. Mon groupeur, on le met un pouilla plus loin. Voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre un répartiteur. Alors, le répartiteur, par contre, ça va être comme ça. À voir. Et comme ça, on va voir si ça va fonctionner. Ce qui fait que là. En vrai, j'aimerais bien l'avoir là, le répartiteur. Oula, j'en ai mis deux. Est-ce que là. Non. En fait, j'aimerais bien l'avoir là, comme ça, hop, j'en ai un là. Là, ouais, ça aurait été un peu chaud. Là, c'est bon. Et lui qui me pose problème. Ah, et lui, là, il me pose souci. Ah ouais, lui, il me pose souci. Bon, on va le faire autrement, c'est pas grave. Le répartiteur, on va le mettre un décalé. C'est quoi le répartiteur? C'est ça. Comme ça là, oui. Oui, c'est bon. Ah merde, ah il est pas au bon endroit, ah non il était pas bien placé hein. Ah, il était un pouilla décalé, je le voyais pas du tout moi le décalage. Hop et oh bah et voilà comme ça c'est réparti et c'est sous le sol donc on s'en fiche totalement. Vis, voilà. Oui, pareil, faut penser à. S'il vous plaît. Lim. Hop. Ouais. Deuxième alim. Troisième alim. Impeccable. Donc j'ai mes vies, j'ai là, ok, là, à partir de là, oh tiens, l'assembleuse,
super, je peux m'appuyer dessus pour faire mon truc. Bah tout simplement on envoie tout dans l'assembleuse. Je crois que je vais avoir un petit rap de vis. En théorie là je suis censé avoir un petit rap de vis. Je peux la rapprocher l'assembleuse. Hein. Ou alors. Voilà, on va peut-être pas déconner non plus, hein. Ouais. Oh si, ça fait les deux de longueur. Au niveau de la lime, tac, c'est où? C'est là. Ok. Donc ça, on renvoie dans le sol. On renvoie dans le sol, ça. C'est rentrant, ça tu peux te barrer. J'ai oublié. Ah bon, j'avais deux assembleuses. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai foutu. Et j'ai oublié de faire les deux sorties. Tac, donc une à ce niveau-là, une à ce niveau-là. Tiens, ouais. On a ici, j'ai oublié de faire la rentrée là-bas aussi, tu vois, c'est vrai que ici, donc là c'est nos plaques de fer. Donc nos plaques de fer elles sont là. Ouais, je me dis les plaques de fer je vais les envoyer là, hein. Avant de kikiner, on va le faire dans l'autre sens apparemment. Là, il faut que je regroupe les trois pour les envoyer devant. Là, ok. On va essayer de voir si je peux faire un. Ouais, ça a l'air d'être bon. Lui, on va changer de sens. Est-ce que ça serait mieux dans ce sens-là? Je sais pas. On va le mettre en dessous. Ça qui est bien, c'est qu'on gagne de la place en dessous aussi. Alors. Oui, mais voilà. C'est vrai qu'on gagne de la place en dessous, mais c'est mieux dans ce sens-là, quoi. Ça va. Voilà. Toi. Voilà, toi. Et ouais, on gagne toute la place sous les machines, parce que là, on est vraiment sous la machine, quoi. Sous l'assembleuse. Putain, d'ailleurs, je t'ai pas paramétré, toi. Bon, bah, ce sera tout à l'heure. Donc là j'ai mes plaques de fer renforcées. Ah, j'ai loupé mon saut. J'ai totalement foiré mon saut là. Allez. Voilà. Plaque de fer renforcée. Et on peut pas monter, c'est quoi ça? T'as une échelle et on peut pas monter. Oh, terrible. Là on peut. Et il me faut encore des vis. Attends, non, c'est mes plaques de fer renforcées, donc j'ai ce qu'il faut. Mais à partir de là, il faut que j'envoie dans le cadre modulaire, donc ça j'ai ça. Il me faut d'autres barres de fer. Combien? Attends. Attendez. 12 barres de fer. J'en consomme 15? On avait dit que j'en consommais 15. Là j'en produis combien? 30. Je suis dans le positif, hein. Donc on va faire autre chose. Ici. On regroupe. Et là je vais rediviser. Donc, là, oh non, oui si, tu me diras, là j'en ai qui arrivent là, c'est très bien. Et là en fait, je vais le faire repartir mais dans l'autre, dans l'assembleuse pour les cadres modulaires. Oui alors non,
C'est ça que je veux, voilà. Tiens, on va le mettre là. Hop, 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 donc. Ah ouais, non. Sortie, sortie. Et. Entrée. Donc toi, tu vas là, toi. Tac, toi, tu vas là, toi. Hop. Voilà. Oh non, non. Oh, c'est pas cool. Bon. Sinon, on triche. Hein. On triche, on va tricher, on va pas s'embêter. Répartiteur. Voilà. Ça répartira quand ça, quand un, pardon. Mais bon, ça fonctionnera. Ouais. Et là le rab ça va. Ah oui alors. Voilà, le rab ça ira là. Ce qui fait que là on aura le rab de vis, de tige, si je me trompe pas. On va voir. En fait je produis 30 tiges et je vais m'en servir de 27. Donc en fait ça va être un peu surchargé. Parce que petit à petit ça va se surcharger dans le sens où... oui. Dans le sens où j'ai pas besoin de tout ce que je produis et ça devrait arriver à produire suffisamment. Hop là, on va pas s'enquiquiner, c'est très bien. On va tester, on va alimenter tout ce bazar et si ça fonctionne, je fais la même chose pour le deuxième, pour les deux. Parce que là j'ai utilisé que la moitié. Bon, je pourrais faire la même chose pour les deux autres. Alors. Voilà, on va faire arriver ça comme ça, ce sera plus sympa. Toi. Hop. Voilà. Là, on va avoir notre minerai de fer qui va sortir. On va faire bien attention à ce que ça répartisse un peu partout. De toute façon, j'ai rien envie. Je suis en MK2 là. Merde. Cadeau. Ça a l'air de répartir 1 sur 2, là ça monte. Là c'est bon. Là c'est bon. Sur le milieu ça a pas l'air de bloquer. Sur les bords non plus, donc on doit bien produire. Pas avoir de blocage. Oui, non mais là c'est normal. Ok, ouais, pendant un moment j'étais en mode... Pourquoi j'ai rien? C'est normal, c'est normal, c'est normal. Ah, oui. Ok, là le... ouais, j'adore. Ah ouais, ça le fait partout. Hein. Ah, un petit bug à mon avis. Là, j'ai aucun moyen de... Si c'est bon, ça passe. Ça passe. Là, ça sort. Bah oui, d'accord. Ouais. Là, j'ai les fameuses tiges qui vont nulle part. Là, j'ai un groupeur. Mais qui va nulle part. J'ai oublié de le relier. Ok. Donc là par contre au moins ça me permet de vérifier que... Oui là j'ai les 30 de production. Hein? Là elles sont split en 3 mais 30 de production. Oui. Une qui va là et l'autre qui va là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non parce que c'est pas bon, là j'ai de la vis qui va là donc c'est pas bon du tout ça. C'est pas ma vis qui est censée partir en fait, c'est un split. Attendez, il y a une couille dans le pâté là. Une couille dans le pâté quelque part. Je
produis trop de vis, hein. Je produis vraiment trop de vis, non? J'ai combien de trucs de vis? 1, 2, 3. 3, j'ai besoin de 120. Ah, on est dans trop, hein. J'ai un constructeur de vis en trop, là. Non, pas ça. Ah, j'ai un constructeur de vis qui est largement en trop. Lui ne sert à rien. Lui ne sert clairement à rien et c'est lui en fait qu'il faut que j'aille me relier là-bas. Ok. Lui, il va se remplir en fait plus vite que les autres, ce qui fait que au début je vais pas avoir assez de vis. Quoique là j'en ai produit pas mal, donc j'en rab. Une fois que cette barre là en fait sera pleine, cette ligne, ce convoyeur sera plein, la production de vis sera bonne. On va voir si la théorie est bien, est bonne ou pas. Ok. Tac. Donc là, ça produit bien. Oui, non mais. Ouais, c'est. On a des choses qu'on oublie parfois, quoi. Je veux juste être sûr que je vais pas choper de vis là-dedans, non. Ok. Ah. Ah, j'aurais pu le rapprocher, donc ça veut dire de celui-là. Ok. Lui, on a le répartiteur, on s'en souvient. Le répartiteur qui fait son boulot un jour ou... Voilà, c'est bon. On peut voir là, il y a les plaques de fer renforcées. Ce qui fait que là, dès qu'on aura assez de barres de fer, ça devrait se lancer. Magnifique. Il n'y a plus qu'à doubler tout ça. Il n'y a plus qu'à doubler tout ça, j'ai envie de dire. Par contre, là, on n'aurait pas été gêné par ce truc-là. J'espère que ça va pas nous déranger plus que ça. Donc, on partait sur 3 productions de barres de... Non, 2 productions de barres de fer et une production de plaques de fer. Donc, 1, 2... Ah, c'est pas cool, ça. C'est vraiment pas cool, je suis pas fan. Oh, j'ai cru. Hein? Comment ça? Ah oui, d'accord, je suis passé d'un truc à l'autre. Hein? Oh! Me demandez pas comment j'arrive à le faire passer, je ne sais pas. Ouais, mais on n'a rien vu, c'est pas grave. C'est pas... Ah. Voilà, le physique... C'est pas le plus important. Ah. Hop. Oui, on peut mettre direct là. Hein. Et ça, tac. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais mettre tige, tige, et là, je vais inverser, je vais mettre plaque de fer. Voilà. Ici. Hop. 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 Là on est bon. Ah bah non. On m'en sorti. On m'en sorti. Ah c'est couillon ça, tiens. Hop, on va ramasser un peu là tout ça.
C'est bon. Je sais pas si ça dépasse. Hop. Au cas où. Voilà. Donc. Ça. On peut l'envoyer directement là-bas. Oui, parce que c'est le plaque de fer. Donc, tout ça, ça part là-bas. Ça. Il faut que je split en deux. À cet endroit-là. Oh merde. Ah, c'est ballot ça. Ah oui, c'est bon. Bon, c'est pas grave. Ça bon. On va splitter dans ce sens là, c'est pas très rare. Parce que là, un peu la flemme. Répartiteur. Ah, je dois être bon là si je le fais comme ça. C'est pas un peu serré. Non, ça sera pas bon là. Voilà, là, là, et comme ça, ça passe. Ça a l'air. Oui. Oh oui, ça passe, ça prend déjà bien. Ensuite, j'ai deux constructeur avec la vis. Alors, par souci d'esthétisme, on va peut-être le mettre là quand même. Ce serait cool. Donc deux constructeurs vis. Et bien évidemment ça. Ça, ah oui, là, faut sortir les trois différents trucs. Les plaques de fer. J'ai mis. Oui, j'ai paramétré. J'ai pas mis l'électricité. Et merci. Hop. Donc celui-là, non. Celui-là, oui. Et celui-là, oui. Et en fait, là, faut que je regroupe les deux et les deux en font trois. Donc je crois que je vais essayer de m'appuyer sur le même modèle. À peu près le même modèle que ce que j'avais fait là, c'est à dire pas du tout parce que j'avais prévu autre chose. Donc, donc là 1 2 là, là je peux mettre mon groupeur est-ce que tiens d'ailleurs si je fais ça est-ce que lui il va me dire que c'est bon. Ok, impec. De là, répartiteur. Non, là c'est trop proche. Là, c'est... Ok. Quoi ? Un méchant répartiteur, donc 1, 2, 3. Donc là j'ai ma production de vis. À partir de là, j'ai mes plaques de fer, j'ai mes vis, donc je fais les plaques de fer renforcées. On est bon, on y arrive. On essaie de les mettre au même endroit quand même, hein ? Par rapport à l'autre ? Non ? Oui ? Non ? Non, j'ai pas le droit. Bon. Il est un peu trop loin pour être détecté, je crois. Hop, ici à la sortie, je crois qu'on peut être juste à côté. Hein, en vrai. Je suis en face. J'ai l'air. Ok. Ici. Ok. Ici. Tac. Tac.
Super, donc un des deux c'est les plaques de fer là que je vais t'attirer de là en vrai. On va mettre dans l'autre sens si possible. Oui, très bien. Donc on a les plaques de fer, l'autre c'est la fusion des deux là. D'ailleurs, je vais le mettre dans l'autre sens, oui. Je vais le mettre comme ça. Tac, lui je vais lui dire, ah tiens viens là. Hop, groupeur. Oui, c'est un câble. Bah ça risque de faire un peu long. Je peux pas le coller à mon avis, c'est, un peu... c'est vraiment long. Là. Hop, ça me fera du mycélium. Ça me fera pas de mycélium. Ah j'étais sûr de moi. Hop, on alimente s'il vous plaît. Ah. Ah oui. Ah ouais, alors. C'est compliqué là. C'est alimentation pas prévue comme ça. Et ici. Ah c'est. Ça va être un peu couillon. C'est que. Ah c'est un peu collé quoi. Oh. Ah merde. Ah, alors, ah, quoi qu'en vrai, alors peut-être que je peux faire une exception. C'est un groupeur. Je sais pas si ça va fonctionner en vrai. Hein. Ouais, là c'est un peu. Ça a l'air. En vrai, hein, une petite exception, on va mettre un truc là. Alors, faut pas exagérer non plus ici. De toute façon, on reste en extérieur. Hein. Parce que là en logistique on a notre conteneur. Hop, notre premier cadre modulaire, ouais! Yeah! Allez, on applaudit, patch, 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 patch. Par contre, lui il produit pas, hein. Bah oui, non, mais je suis con. Hop, excusez-moi, voilà, donc ça rentre, allez, on essaie de pas tomber dans l'eau, donc, là, ça baisse, là, on avait dit, on a un répartiteur, un truc comme ça, alors je sais pas où, par contre. D'être à peu près bien en face. Non. Il manque des plaques de fer. Oh, ça va faire comme la dernière fois. Oh, c'est embêtant. Flûte. Vous savez ce qu'on fait, hein. J'ai même pas l'établi, j'ai même pas assez de plaques de fer pour faire un établi sniff. Je vais devoir aller choper mes. Ah mais attends. Voilà, on a rien vu. Si j'ai besoin de plaques de fer, je me sers. Hop. Donc là on est bon. Là. Là, on va peut-être avoir besoin d'un peu plus de plaques de fer. Là, on va aller chercher les tiges qu'on avait laissées tout à l'heure. Voilà. Donc ici. Ah. Ah merde. Ah oui, bah oui, c'est couillon ça. Bon, on va faire ça. Hein. Écoute. Voilà. C'est pas bien grave. Ça passe. C'est de la tige, hein. Oui, c'est la tige. On va reprendre 2-3 plaques de fer hein, par
précaution. Et là, normalement, bah là, c'est censé produire. Hein. On voit ici, on s'est bien débrouillé. Wouhou! Wouhou! Tac! Tac! Ça produit en plus, oh c'est impeccable, oh j'aime bien. Alors, plaque de fer renforcée. On n'a pas de vis qui rentre. Ça c'est pas bon. C'est vraiment pas bon de pas avoir de vis. D'accord, j'ai que ça. Hein. Ah bah ouais. Ah c'est con ça. Hop. Bon, j'en ai marre de faire des allers-retours là. C'est bon. Ah bon? Hein? Ah ouais? Voilà. Okay, c'est bizarre ce bruit. Et voilà, on a ça. On va produire des plaques de fer renforcées. Et là, bah, y a plus qu'à attendre que ça arrive. Hein. On voit que ça produit, ça c'est bien. Ah oui, j'ai oublié qu'il y avait le plafond qui était bas là. Eh ben ça fonctionne. On va laisser là-dessus qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vais investiguer sur ça pour savoir qu'est-ce que c'est que ce bruit chelou là qui est chez moi. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Thiom.